Cet hiver, j'ai développé une technique de sculpture de neige mouillée qui devient glacée pour réaliser une douzaine de sculptures dans le village d'Obidjiwan. La première étape de ma technique consiste à faire une base mouillée et glacée, donc une base qui va devenir très solide, qui va à la fois remonter la sculpture de peut-être 30 cm, comme ça s'il neige, la sculpture est toujours au-dessus de la neige, et empêcher aussi la sculpture de s'enfoncer dans la neige si jamais il y a un certain réchauffement. Alors, cette base glacée permet aussi de bien ancrer la sculpture, que la sculpture aussi colle parfaitement à la base. Alors, après l'avoir mouillée, l'avoir tapée, elle devient suffisamment solide pour aussi lui insérer des bouts de bois qui vont devenir une forme d'armature, par exemple ici pour la réalisation des pattes avant de mon chien assis. Alors, la neige mouillée permet de bien ancrer de manière solide les bouts de bois dans la neige. Ensuite, pour façonner le chien, j'utilise de la neige dans des bacs. Ça me permet c'est plus facile à réaliser. Ce n'est pas nécessaire, mais ça permet de manipuler la neige et l'eau sans trop se mouiller. Alors, on empile les bacs de neige un par-dessus l'autre pour la réalisation du corps. Ça crée une neige qui est facile à manipuler, à façonner et qui va bien adhérer aussi là, à la base qu'on a réalisée au départ et qu'on monte graduellement là, pour à la réalisation de notre sculpture. Alors, ça permet donc de travailler à peu près en 3 heures, de réaliser une sculpture qui va être solide assez rapidement. Par la suite, si on veut réaliser donc les parties plus délicates, comme la tête, ben, on reprend de la neige directement dans le bac et pour façonner les parties plus délicates. Tout cela nous permet de créer une sculpture grossière qu'on va par la suite découper et sculpter de manière plus fine à l'aide de couteaux. Pour bien adhérer au bout de bois, il faut que la neige soit très humide, très mouillée. Donc, elle a une texture de barbotine. Et de cette façon, elle adhère très très bien au bout de bois pour la réalisation ici des pattes. Dans ce cas-ci, on travaille à une température de moins 7 degrés Celsius, c'est idéal. Quand on travaille à moins 15 degrés Celsius, la neige devient très rapidement en glace. Alors, il faut travailler avec des plus petites quantités à la fois. Donc, on a développé notre sculpture qui est assez grossière et maintenant on va la dégrossir à l'aide d'un couteau de boucherie, tout simplement. Et encore une fois, ça va créer une sculpture plus fine, mais qui va demeurer au niveau de sa surface plus grossière. Par la suite, on va réutiliser de la neige très mouillée sous forme de barbotine qu'on va mettre sur la sculpture pour la lisser et en même temps créer une croûte glacée. Finalement, si on désire faire adhérer des tissus sur notre sculpture, on n'a qu'à les mouiller et bien les appliquer sur notre sculpture de glace, et voici donc notre chien assis
terminée.